vidéo parce que j'ai reçu par Chronoc Post une commande V-Ink. Alors je ne sais pas ce que j'ai foutu. Ah ah, attendez. Ça y est, je l'ai retrouvé. Donc j'ai reçu une commande V-Ink. Et donc je vais vous ouvrir un petit peu en live. J'ai juste ouvert vite fait et regardé quelques trucs. Donc j'ai commandé les bougies Bath & Body Works. Par contre, surprise du format, parce que c'est 5 euros la bougie. Et bon, je m'attendais à genre celle qu'on trouve chez Babou à au moins 1,99€, voire le format au-dessus. Mais c'est vraiment rikiki quoi. Donc je suis assez déçue de ça, parce que je pensais quand même que c'était plus gros, mais bon. Donc là on a le Pumpkin Apple. Qui sent super bon, vraiment j'adore. Allez, et maintenant ça se ferme pas, c'est génial. Donc voilà. Ensuite, on a ici le Spicy Cidre. Ouais, c'est vraiment... Alors elle ressemble vachement à celle d'avant. Hein. C'est limite les mêmes. On dirait les couleurs, c'est quasiment les mêmes. Ouais. Ensuite, on a Sweet Cinnamon Pumpkin et Cranberry Woods. Donc c'est vraiment pour automne, hiver. Hein. Alors pareil, je trouve qu'elles se ressemblent trop toutes quoi. C'est beaucoup cannelle pomme. Ah, celle-là, elle est différente. Elles sont bien Noël quoi. Je sais pas comment te expliquer ça. Ah ouais, ça sent super bon. Par contre, les trois autres, elles se ressemblent mais énormément. Alors, je tiens à dire une chose quand même, c'est que ça a été super rapide pour l'envoi. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, j'ai toute la liste ici de ce que j'ai commandé. Donc ensuite, j'ai pris des petits machins pour les mains. Des machins. Des antibactériens. Je les ai déjà sentis. Alors celui-ci, ils sont vraiment la fraîcheur, un peu fraîcheur sapin, vous savez, voilà. Donc c'est celui-ci, je crois que c'est un nouveau spécial pour la saison. Ensuite on a, alors là mon préféré, le pink chiffon avec des petites paillettes comme ça là. Mais il sent trop bon. Et en plus le fait qu'il y a des paillettes, je trouve ça super mignon, donc j'adore. Ensuite on a Paris Amour. Alors celui-là aussi il sent super bon, mais moins bon que l'autre. Et pareil, il a des petites paillettes aussi. Voilà. On a le Vanille Cupcake qui sont Vanille Cupcake et Vanille quoi. Et pareil, ils sont très bons. Ouais, j'adore, ils sont vraiment très bons. Donc je vais pouvoir le ranger dans mon nouveau rangement. Ici, je pense que je vais mettre tous mes antibactériens. Et oui, je vais bientôt vous faire la vidéo. Je commence à recevoir un petit peu les rangements, donc je suis trop contente. Alors ensuite, moi je mets par terre parce que ça va plus vite. On a le Hello Darling White Nectarine et Pony. Donc nectarine blanche et pivoine. Si je lisais en français, ce serait peut-être plus simple. Alors, je ne sais pas comment ils sentent, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur le papier. Il sent super bon. Nectarine. Ah ouais. Il sent divinement bon. J'adore. Ensuite, ça en dernier, on a ici le Mango Tentation. Donc, nectar de mangue et hibiscus. Donc, il sent bon, mais il y a une petite odeur qui me dérange un petit peu derrière. C'est dommage parce que j'aime beaucoup le packaging de celui-là. Et
J'adore la mangue d'habitude. Est-ce que c'est l'hibiscus qui me dérange? Je ne sais pas. Ensuite, coconut passion. Donc vanille, noix de coco. Oh, ça sent bon. Ça, ça sera peut-être plus pour l'été, hein, mais ils sont super bons. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris en fait une de chez Bath & Body Works, donc mangue melon twist. Voilà. Elles sont trop bon, j'adore, ça sent divine. Ça sent divinement bon. Par contre, ouais, celui-là, je suis pas fan, je sais pas, peut-être que je le revendrai, j'en sais rien. Et pour finir, j'ai pris un shampoing, un après-shampoing de la marque Organix. Parce que je voulais vraiment des shampoings à la kératine pour réparer mes cheveux. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Alors j'aimerais bien aussi commander des produits TJ. J'en ai vu deux gammes qui me plaisent beaucoup. Il y en a une, c'est Résurrection, je sais pas quoi, elle est rouge. Et l'autre pour les cheveux blonds. Je sais pas encore, je vais réfléchir. Mais là déjà je vais tester ceux-là. Et évidemment je vous en dirai des nouvelles. Il y a 385 ml dans chaque. Voilà. Donc j'ai un petit peu regardé dedans s'il y avait tout ça avant de le prendre. Ça a l'air vraiment bien. On verra par la suite ce que ça donne, si c'est un coup de cœur ou pas. Et évidemment, je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà pour la commande des Inc. C'est vrai que j'aurais pu la faire avec une autre commande, mais je voulais tellement la tester. Peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vous en aurez une autre, puisque déjà j'ai commandé chez Shopeuse et du coup, bon, la vidéo ça valait pas trop longue. Et bon, j'ai pas non plus commandé énormément de choses, donc je vous le mettrai peut-être à la suite. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Faut que je retrouve ma déjeuner. Bonjour les filles et les garçons, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul, donc qui sera sûrement à la suite de la vidéo V-Ink, puisque j'ai dit que j'allais mettre les deux, puisque c'était deux commandes assez courtes, on va dire, au niveau du temps de présentation. Donc là, j'ai fait une commande chez shopeuse.com, alias Maude, et donc j'ai reçu dans un gros carton avec plein de polystyrène. Et dans ce carton, il y avait un petit carton avec toute la commande. Donc on peut dire que c'était super bien protégé. Donc à l'intérieur, j'ai reçu ceci. Voilà. Ensuite, évidemment, il y avait la facture avec deux cadeaux. Une votive en cadeau et une tarte en cadeau. Parce qu'en fait, elle a fait des changements récemment au niveau de l'envoi. Et pour s'excuser, puisque ça a été un petit peu plus long qu'habituellement, elle m'a envoyé deux petites choses en plus. Donc déjà, j'ai commandé deux sprays comme ceci. Donc elle m'a mis dans un joli petit pochon rouge. Donc, il y en a un qui s'appelle Fluffy Town. Et donc c'est une odeur de linge propre. Voilà. Donc je vais essayer de parfumer un petit coup. Voilà, ça, ça sent vraiment le frais, ça sent super bon. Ça sent le linge propre. Ensuite, celui-ci, c'est le Coconut Bay. Voilà, et donc je vais faire un coup par ici. Oh purée, ça sent trop bon la noix de coco. J'adore, ça sent super bon l'été. Ensuite, j'ai commandé ici. Alors, j'hésitais entre deux. Il y en a deux qui sont très très beaux. Donc, celui-ci, puis un autre avec des espèces de reflets dorés. Et bon, bah finalement, j'ai craqué pour celui-ci. Regardez comme il est joli comme tout.
Voilà, parce que celui que j'avais, c'était un éléphant et un vieux machin, et j'en avais vraiment, vraiment marre. Donc je vais le laisser de côté, je vais prendre celui-ci. Donc qui est en plus de la marque Yankee Candle. Hein. Donc je pense que là, je vais quand même beaucoup plus m'amuser. Je pense que ça va beaucoup plus porter que l'autre que j'avais. Et ensuite, dans ce deuxième pochon, alors j'ai tout le reste. Donc j'ai pas pris de grosses bougies parce que je connais pas toutes les odeurs et je voulais vraiment tester un petit peu tout. Donc j'ai ceci. Alors parce que j'ai des grosses bougies et puis qu'apparemment ça permet de diffuser plus. Donc je me suis dit je vais en prendre un et on verra bien. Donc j'espère que ça convient pas qu'au Yankee parce que j'ai d'autres bougies. J'ai de la Salt City, j'ai comment ça s'appelle? Celle de chez Babou, enfin voilà. Donc on verra bien. Et ensuite on a les bougies. Donc en cadeau j'ai eu la Votive Vanilla Chai. Voilà. Ici qui sent un peu le café. D'ailleurs, ouais, il y a ça dessus. Ça sent un petit peu ma crème, enfin mon antibactérien Halloween là que j'avais eu. Comment que c'est? Pumpkin, je sais plus. Enfin, j'ai un antibactérien qui sent exactement la même odeur de chez Bath & Body Works. Et bon, c'est sympa, voilà. Ensuite, alors le problème là, c'est que je vais pas forcément tout sentir. Ici, on a Snow in Love, je crois pas. Je crois que c'est le cadeau. Ben, la tarte en cadeau parce que je ne me rappelle pas l'avoir prise. Mais bon. J'ai pris tellement de choses que je ne sais plus. Donc voilà, de toute façon, je vous en dirai des nouvelles, je pense. Je vous ferai des petites photos par-ci par-là. On a le Snowflake Cookie. Celui-là, je voulais trop le sentir. On va essayer de l'ouvrir. Ils sont super bons. Oh, j'adore, ils sont trop bons. Ensuite, on a le November Rain. Donc, je sais pas s'il convient encore pour la saison. Ma foi, bon, là il fait un super grand soleil. Le temps est trop bizarre. Donc, je ne sais pas, peut-être que je le mettrai ces jours-ci. Je vous en dirai des nouvelles. On a le Salt Caramel. Donc. Voilà quoi. Ah, ils sont vachement bons. Et je crois que c'est ça qui embaume tout le reste des sacs en fait. Ensuite, j'ai le Yankee Candle. Enfin, oui, forcément. Fireside Treat. Donc, moi et mon anglais. Hein. Chamallow. Enfin, ça tombe bien parce que le soir, je me fais de temps en temps un chocolat noir sans sucre avec de l'eau. Vous allez rire parce que je le fais avec des chamallows, donc du coup c'est voilà. Mais je mets des petits des mini chamallows. Alors c'est pas des vrais chamallows comme nous on a en France. C'est des chamallows au maïs. C'est vraiment peu sucré, donc voilà, c'est vachement sympa. Ensuite ici on a la Christmas Cookie. Voilà. Le Merry Marshmallow. Voilà. Le Red Velvet. Qui sent super bon. On en entend beaucoup de bien. Et en plus, ils sont quasiment maintenant introuvables. Parce que je crois qu'il y en a bientôt plus. Enfin, ils en font plus. Donc quand j'ai vu, je me suis dit, allez, je le prends. Oh là là. Oh, ça sent bon. Celui-ci, c'est le Red Apple Wheat. Ça me fait penser à une petite bougie que j'ai prise chez Bath & Body Works, qui sent un petit peu pareil et que le dessin est à peu près pareil. Et c'est un petit bonheur. Et le Christmas Memories ici. Voilà. Donc c'est pas évident de vous décrire les odeurs parce que déjà bon, je les sens pas toutes. Il y en a qu'on sent beaucoup plus à travers le papier que d'autres. Mais vraiment de
de très bonnes odeurs. Et je pense que le premier que je vais tester, ce sera le Snowflake Cookie. Donc celui-ci. Rien que le packaging, il est trop cute. J'adore le petit dessin avec les petites roses et tout. Donc voilà, ce sera un joli petit... Bon bref, voilà, je me suis fait plaisir encore une fois. Bon, c'était une des dernières. Il y a encore beaucoup de produits que j'attends à la maison. Mais là, je suis en no-buy maintenant. Hein. J'aimerais quand même me trouver un plateau avec des bols assez sympas. Parce que j'ai un vieux plateau pour le petit déjeuner, même pour le repas, tout ça. Et j'en peux plus, je veux plus voir. Et j'aimerais bien que mon chéri m'offre ça pour Noël. Donc c'est pas des choses extraordinaires, mais j'ai déjà tout ce qu'il faut. Et vraiment une chose pratique, ce serait un plateau petit déjeuner avec des bols. Alors je sais pas si pour l'instant il me l'achètera, mais en tous les cas c'est ce que je veux. Et donc voilà pour la commande chez Maud, vraiment super, merci Maud pour les deux petits cadeaux en plus, ça m'a fait super plaisir. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Alors petite chose, alors je sais pas jusqu'à quand ça va, mais j'ai pris le code de Coraline pour avoir les frais de port gratuits. Voilà, donc un petit plus, hein, je crois que ça faisait 8 euros en moins, quelque chose comme ça. Donc ça valait quand même vachement le coup. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.